لارج بريس في المغرب. اول هاني ام هذا الانجاز اللي حققتيه وحققتيه للشعب المغربي، الملك المغرب، لكل الفاعلين. اليوم لعبتي بنهج تكتيكي شبيه بالشوط الاولي لعبتو ضد بلجيكا، نجحتوا على انكم كنتوا غادي تخطفوا المباراه. الاحساس ديالكم، حنا لان ما عندنا ما نطرحوا الصراحه، الاحساس ديالكم وانت كتشوف لاعبين كيتضربوا وما عندكش البديل، عندنا مباراه الان ديال الربع اللي كنطمعوا، شنو 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 الاحساس ديالكم اللاعبين كتشوفوا كيتصاب؟ Premièrement, avant de répondre, je voudrais dire un grand bravo aux joueurs. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. Dans la débauche d'énergie, dans l'envie de ne pas vouloir perdre ce match, de s'accrocher, parce qu'on est tombé sur une des meilleures équipes au monde, peut-être la meilleure de la compétition en termes de possession. Ils nous ont fait mal, ils nous ont fait courir. Mais on s'attendait à ce genre de match. Alors Gauthier, qu'on a joué un peu comme contre la Belgique, je pense qu'on a joué comme on joue d'habitude depuis très longtemps, sauf qu'on s'adapte aussi par rapport aux adversaires. On ne pouvait pas aller trop les chercher parce qu'on savait que c'est ce qu'ils attendaient. Allez, merci. Bien, merci. Et on savait donc qu'ils allaient nous faire courir, on l'avait dit en avant match. Mais on a été patient. On aurait voulu gagner le match sur le terrain, mais on savait que si on allait au pénalty, avec un des meilleurs gardiens du monde, on avait plus de chances de se qualifier. On a eu des opportunités. Eux, comme j'ai dit, ils ont fait du jeu à l'espagnol. La possession, garder le ballon, ils nous ont beaucoup étiré. Et les joueurs sont accrochés. Après, tu dis car c'est vrai, on a beaucoup de blessés, mais depuis le début de la compétition, on joue avec une équipe qui n'est pas à 100%. C'est pour ça que c'est encore plus extraordinaire ce qu'ils font. Tout le monde s'accroche, tout le monde joue avec des bandages, tout le monde élève son niveau de jeu. Et mentalement, on a réussi à créer un groupe, une famille, et on sent aussi qu'il y a un peuple derrière nous. Et quand vous faites tout ça, vous sentez cette énergie, et ben ça aide pour faire une telle performance. Mais si vous m'aviez dit, début de compétition, qu'on aurait joué la Croatie, la Belgique, l'Espagne, et qu'on n'aurait pas perdu un match, qu'on n'aurait pas pris un but, c'est pas que j'aurais signé. Malgré ça, on est pas encore. C'est les joueurs. Il faut vraiment, aujourd'hui, moi, je dis que j'ai un groupe extraordinaire, ils ont adhéré à ce que j'ai dit, ils le font, mais après voilà, où est-ce qu'on peut s'arrêter, je ne sais pas, on va avoir du mal, parce que ce genre de compétition, il faut de la fraîcheur, il faut un banc, mais aujourd'hui on a montré avec les changements qu'il y a des joueurs qui sont rentrés, qu'on fait le boulot, et c'est comme ça qu'on pourra arriver plus haut. Merci. Yassine Gounou is the player of the match, we'll just have two or three questions for him, as he has other commitments. Okay, so who has a question for him at the moment? Yeah, okay. Excusez-moi, comme Yacine il est un peu fatigué ou quoi que ce soit, j'aimerais bien en fait toutes les questions avec Yacine, comme ça il va vite faire sa récup, après moi je prends le temps. Merci. Yacine, brok alik, bravo alik, farahtina. Quel est le sujet de l'élite? Ou est-ce que Allah, as-sahab hajab madarab al-jaza, ou l'aki niyoma tibiti التجربه اللي عندك تبارك الله بانك اسد وزقرتي في الدوحه اللي نرى المغرب كامل خارج دابا في الاثناء كل شيء في الزنقه. كنحسوا يعني بالشجاعه ديال الجمهور يعني اللي جات عندنا والجمهور اللي في المغرب ولا اللي في البلدان الاخرى، هادشي كيدفعنا باش نديروا العمل اللي كنديروا. كنشكر كاع اللاعبين اللي داروا واحد مجهود جبار، يعني في واحد التركيز عالي 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 جدا. شابو للدراري والحمد لله كان عندي واحد الفرحه كاع الناس ديالي. اوريا ياسين، واش عارفين اش بغيتي تدير اليوم؟ كما كتعرف ملي كتكون في حنايا ملي كتكون انتيريو ما كتشوفيش با مزيان شي، ولكن مزيان فحنا خصنا نبقاو كونسونطري على خدمتنا وكاع المونتوراج. فحنا فرحانين بان يعني يكون كلشي بحال هكا، ولكن مع الوقت غادي نبقاو غير
over there, please. Yassine Bounou, Walid Regragui. Je suis un journaliste marocain, but I'm going to speak in English so all the journalists in this room will understand what I'm saying. Yassine and Walid, today you have made history. I don't have any question. I just would like to thank you. I would like to thank you because this has never been done in Moroccan football. You have gained back the trust of all a whole Moroccan generation. 40 million Moroccan people are happy today with what you've done. Thank you, Coach Walid. Thank you, Yassine Bounou, for everything that you have done. Today, you have marked the Moroccan history. I'm speaking and I have tears in my eyes because seriously, you have marked Moroccan history, Yassine. Thank you. First of all, as a Moroccan citizen, and second of all, as a Moroccan. Thank you. Okay, so as that was not a question, let's go over here with the final question. Over here, please. Yassine, Fernando Valente de Barros, je suis freelancer et travaille pour l'État de São Paulo, Brésil. Bon, d'abord, congratulations. Vous êtes un héros national et vous méritez d'être un héros national. Hier, je parlais avec le gardien de Croatie qui, comme vous, il y avait un proès, il a défendu trois pénalités comme vous. Et il me dit qu'à part la chance, il y a beaucoup d'observations de sa part. Quelle est votre stratégie pour arrêter trois pénalités dans un jeu comme celle-là? Merci beaucoup. Bah, écoutez, c'est un petit peu de feeling, un petit peu de chance. Et voilà, il n'y a pas grand-chose. Tu connais les pénalties, c'est comme ça. Vous méritez votre sourire. Merci beaucoup. Thank you very much. Bravo. Let's continue now over here, please. Yes, for the coach. Bonjour Walid, félicitations. Salam. On commence, on va commencer à vous épater beaucoup. Rien à voir. La vérité, soyons honnêtes un petit peu. Walid, avant mondial, c'est pas Walid après mondial. Moi, j'ai une question technique qui peut déranger un petit peu, mais j'aimerais bien la poser. À part contre la Belgique, à chaque fois que tu voulais tuer le match avec tes changements vicieux et des changements vraiment pointus, tu n'as pas aidé. Tu n'as pas été aidé par les joueurs qui sont rentrés. Et deux fois par le même joueur, je ne veux pas le citer. Et même une fois aujourd'hui, c'est-à-dire à un moment où tu sens que le match peut basculer en ta faveur, tu fais rentrer des changements très pointus. Malheureusement, les joueurs, par manque d'expérience, par manque de maturité, ou pas, peut-être pas. Tu n'as pas encore été, à part contre la Belgique, où les deux changements ont été fructueux. Ouais, mais je ne le vois pas comme ça, moi, Oussama. Je le vois plutôt qu'on a un plan de jeu, et dans mes causeries, c'est toujours la même chose. S'il y a un 11 de départ qui commence le travail, et il y en a qui terminent. Aujourd'hui, on a fait des changements, même pas par choix. Mazraoui a demandé à sortir, à Meller, on a eu Naïf qui s'est blessé. Les mecs, on les tire au max. On est arrivé sur une compétition qu'on ne connaissait pas, qui te fait utiliser beaucoup d'énergie, pas seulement physique, mais mentale, et surtout pour un pays comme le nôtre. À chaque fois, l'adrénaline, la pression, parce qu'on sait qu'on a un peuple derrière nous et on a envie d'écrire l'histoire, et ben, ça nous pompe de l'énergie. Et les changements, on fait comme on peut, mais les 26, c'est moi qui les ai choisis. Et j'ai confiance en tous les joueurs. Aujourd'hui, c'est Abdé qui est rentré, la dernière fois à Brooklyn. Nous, on y rentre aujourd'hui, ça aurait pu être Dari. Yami qui rentre, il n'y a aucun souci. La dernière fois, c'était le gardien. Au contraire, je le vois différemment. Bien sûr qu'on aimerait qu'il fasse la différence, qu'il fasse un peu plus. Mais attention, hein, c'est la Coupe du Monde. On joue l'Espagne, on a joué la Belgique, on a joué la Croatie. Quand tu rentres au niveau de rythme qu'il y a, ben, c'est pas évident. Donc moi, au contraire, je leur tire mon chapeau. Bien sûr qu'on attend toujours plus d'eux, ils le savent. Mais à l'arrivée, on a un groupe, on a une famille. On ne regarde pas ce qui s'est passé aujourd'hui. On va se concentrer vraiment sur le prochain match. On va quand on va jouer. Et ce groupe, comme je l'ai dit, j'ai pris des risques, j'ai fait des choix pour créer un groupe d'abord, avant de créer une bonne équipe sur le terrain. Et ils me le rendent sur le terrain, donc c'est ce qui m'importe. Après, les remplaçants, c'est commencé. J'ai dit à d'un fois, des fois tu fais rentrer, ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Regarde, aujourd'hui, je fais rentrer Benoun pour tirer le péno. Ah, il loupe. Bah, c'est le football, mais je n'en veux pas, parce que Benoun n'a jamais loupé un pénalty. Donc à un moment donné, c'est le football. On essaye de faire les meilleurs choix possibles. Mais. Aujourd'hui, franchement, les gars, ils ont couru. Tombé sur un nouveau équipe. Je peux
to Los Angeles Times, a question in English. Congratulations, first of all. Famously, your team is has 14 players that were born outside Morocco, playing a lot of big European leagues. How does that diversity make your team better? How does it help you? Thank you. Zut. You're Scottish or English? American. English, from London. Yes, can you repeat your question, please, so that the translator... No, sorry. No, because I'm tired. Okay. Good. Okay. Your team obviously is made up of players born outside Morocco, and they play in a lot of big European leagues. How does this diversity and these different styles and different citizenships, how does that make your team stronger and better? Ah, okay, sorry. Look, for me, I fight for that a lot of time for with my country, you know? Before this World Cup, we have a lot of problems about the guys born in Europe and the guys born in Morocco. And a lot of journalists here also, and that is the moment he said sometimes these guys, he don't like Morocco, he don't love Morocco. Why you don't play with the guys born in Morocco? And today, I think he show to the world every Moroccan is Moroccan with his passport. When he come in national team, he want to die, he want to fight. And that is I want to show. And now we have one example. The coach, he born in French, you know? But nobody can have my heart about my country. And it's what I say to my player for every time when he come to national team, he give 100%. And what is good, you have different football. Have some player, he born in Dutchland, some player in Italy, some player from Spain, some player from French, Netherlands, Belgium, and also every country have a football culture, you know? And you make a milkshake with that for you go in quarter final. And I'm very happy about that. Thank you. Thank you. Coach Walid, plein d'émotions. Omar Sraibi, journaliste marocain. J'ai un message pour Chouarid, ma famille, mes amis, mes voisins, tout le peuple marocain, roi et peuple, vous dit merci, félicitations, vous nous avez fait rêver. Coach, le 10 décembre, c'est mon 30e anniversaire, faites-nous rêver encore. On est là, à l'aise, à Doha, on veut rester jusqu'au bout. Sira Walid, Mgharba Mak, j'ai pas une question, si c'est possible. Vous pouvez poser une question au coach Walid El Greghi. Merci, choukran. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations encore une fois pour nous tous africains qui sont derrière le Maroc et qui espérons que la sélection ira le plus loin possible. Coach, vous saviez qu'aujourd'hui l'Espagne allait avoir le ballon, ça s'est vu et ils l'ont eu d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup remarqué que vos attaquants de pointe ont fait un travail incroyable en coupant les transitions entre les défenseurs centraux et Busquets. Parce que je pense que c'était lui la clé. À chaque fois qu'il dézonnait, il avait le ballon, il créait un danger. Votre système aujourd'hui était de museler Busquets pour pouvoir empêcher l'Espagne de se procurer plus d'occasions. Ouais, ben c'est exactement ça. On avait accepté de ne pas avoir la possession. Pas par peur, pas par crainte. Je pense que je suis un entraîneur qui est assez cartésien. J'ai regardé les 20 derniers matchs de l'Espagne. Ils étaient pratiquement à 70% de possession. Et à un moment donné, nous, on a l'humilité de dire qu'on n'est pas encore la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pour pouvoir rivaliser avec eux en termes de possession. Pas parce qu'on n'est pas capable, on a des joueurs aussi techniques, mais même si la France, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, ou tous les pays comme qu'ils ont joué avant, personne n'a réussi à leur confisquer le ballon. Donc comme je ne suis pas un magicien, je n'invente rien, on a accepté qu'on n'allait pas avoir le ballon. Mais après, ne pas avoir le ballon aussi et subir comme ça 120 minutes sans prendre de but, il fallait qu'on soit très bien organisé. On a travaillé pendant 4 jours sur ce schéma de jeu. On savait que Busquets c'était la clé, mais Gavi et Pedri aussi, entre les lignes. On savait que c'était le jeu de l'Espagne. Ils nous ont tirés pour trouver entre les lignes, pour qu'ils se retournent derrière et créer des décalages et qu'ils ont cette qualité. À partir du moment où nos milieux de terrain, ils ont beaucoup travaillé avec l'attaquant en fermant les angles de passe, il fallait juste savoir à combien de temps on pouvait tenir. Et franchement, aujourd'hui, mon milieu de terrain et mes attaquants, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. À un tel niveau, avoir fermé autant de lignes de passe,
pendant 120 minutes et être patient, parce que je leur avais dit, la seule fois qu'on allait craquer, ils vont nous punir. Et après, il fallait un peu de réussite aussi, on en a eu. Et après, on savait que si on coupait les lignes de passe, on avait des situations. On en a eu 2, 3, voire 4, où on pouvait punir les Espagnols. On n'a pas été efficace non plus. Les coups de pied arrêtés, c'était aussi une donnée importante pour nous. Et puis après, ben, à partir du moment où le plan de jeu a été respecté et qu'on est arrivé au pénalty, ben, après, c'est la loterie. Mais on sait que quand tu as un tel gardien dans les buts, tu sais que tu as plus de chances, si tu vas au pénalty, de te qualifier, même si c'était un risque. Yes, please. Daniel Zumel from Germany to online. Congratulations, coach. I just read on the internet on Opta, the stats company, that you are the first African coach to reach the qualifiers of the World Cup. What does that make with you? Or what do you feel with that? No, I don't care. You know why? Because I fight about that. You know, to make a nationality, to make a continent from coach. You know, one time you have the in the world, Portuguese coach is the best because only you have a passport Portuguese, you have a good coach or Spanish coach, you know? No, you have a competence, no? You can do it or not. It's easy, you know? And for me, it's not about Arabic coach, African coach. I work for that. I'm ambition a lot. And it's what I try to give to my player. But after, maybe when I'm an old man, maybe I begin to see behind me. Maybe I'm proud about that, but I'm proud about for my country the first. You know, I'm very happy for my country because never we go in quarter final, and with one local coach, I think is the best happiness for me and for my country. Because you have Moroccan coach, he can do it sometimes. Only you need a confident. You know, is that I want to send the message. Thank you. أول شيء مبرور وشنو الرسالة اللي توجهها للجمهور اللي ما جلس دقيقة واحدة في الملعب تشجيع للمنتخب المغربي؟ Wow, I think it's impossible you do that without this fans. 4 days ago is he's coming in the hotel, he wants a ticket. A lot of fans come to Qatar for to support the team. And all countries, from America, from Europe, from Morocco, he loves his country. And what I can tell us, tell them, is we do nothing. I need them for the quarter final, inshallah, for to make history. But I'm very proud of my fans, of my people. And Arabic people also, because I think you have Qatari people here, maybe Algerian people, Tunisian people, Arabic people, and African people. I think now Morocco, he has a lot of country behind his back for to do history, inshallah. And inshallah khair, inshallah easy to manage. So three final questions over here and then here. No, here first. Walid, bravo encore une fois. Je veux juste savoir la réaction de Koum, bah, l'appel de Sa Majesté, l'appel téléphonique. Sure. C'est quelque chose d'extraordinaire, surtout pour un Marocain. Et ces mots, ils nous poussent toujours à faire plus et ils nous montrent toujours le chemin pour qu'on donne le maximum. Et son discours, c'est toujours le même. Il est fier déjà des joueurs. Donc. Et il est fier de nous et ça nous donne envie de nous surpasser encore plus la politique qu'il a mis en place, tout ce qu'il a fait pour le football, pour le Maroc, et ben voilà, nous on essaye de le rendre sur le terrain pour montrer que le Maroc est en train d'avancer et que voilà, on est un peuple qui a envie de grandir aussi, et par le football, par le biais du football, c'est un biais où aussi on peut montrer que notre pays est un grand pays. Et on remerciera jamais Sa Majesté, c'est Sa Majesté, pour ce qu'il fait pour nous, et pour ce qu'il fait pour le football, et pour ce qu'il fait pour le Maroc. Et on se bat pour les Marocains, pour Sa Majesté. Et on sait que justement, c'est quelqu'un qui nous rassemble et qui nous donne cette force. Bravo. 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 Bravo.
Hervé, je t'attendais quand même, t'as mis du temps à poser tes questions. Oui, mais c'est dur de récupérer le micro. Oui, une question. Alors toi, tu es le parfait exemple, hein, tu as gagné cette année à peu près tout ce que tu, toutes les compétitions auxquelles tu as participé. Le travail de fond qui a été fait sur Maroc, c'est un peu le symbole aussi de ce travail de fond qui a été fait par la fédération. Et je voulais un peu que tu dises un mot sur tout ce qui a été fait justement sur le football marocain. C'est l'équipe nationale qui a été un peu la lumière, qui est mise aussi sur tout le travail de fond, la Ligue des champions africaine qui t'a remporté et tout ce qui se fait aussi au Maroc. Un peu le football marocain à son apogée. Ça, c'est un symbole finalement de tout ce qui s'est passé depuis des années dans la structuration du football marocain. Est-ce que c'est ton... Ouais, exactement. Et je pense que c'est un bon exemple pour d'autres pays. On essaie d'être une locomotive aussi en Afrique. Parce que voilà, le continent est en train d'avancer. Il y a beaucoup de pays qui font beaucoup d'efforts. Le Maroc en a fait, ça fait plus de 10 ans. Moi, je suis arrivé dans le championnat, je crois que c'était en 2014. Et en 2013, j'étais avec l'équipe nationale en tant qu'adjoint. J'ai vu les stades évoluer. La fédération a fait d'énormes efforts et a mis beaucoup de moyens. Sa Majesté aussi a insufflé un souffle qui a été extraordinaire. On a des terrains de haut niveau. On s'est mis à la formation. On a eu des formations de cadres aussi par les diplômes CAF Pro et CAF A et CAF B. Donc voilà, on commence à former nos cadres. Et il n'y a pas de surprise à partir du moment où tu fais ce genre de chemin avec tes patients. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a 3 joueurs issus de l'académie, Mohamed 6, même 4. Dans le groupe. Donc voilà, c'est le chemin à suivre. Maintenant, il ne faut pas s'endormir, il faut continuer à travailler. Mais voilà, quand on met les moyens, qu'on travaille, qu'on est patient, il y a des résultats sur le terrain. Il faut un peu de réussite aussi, mais il faut surtout beaucoup de patience. Moi, après, voilà, je suis un produit local, même si c'est difficile à comprendre parce que je suis binational, que j'ai grandi en France, que j'ai passé aussi mes diplômes en France, il ne faut pas l'oublier au départ. Mais la chance que j'ai eue, c'est que c'est mon pays d'origine qui m'a donné ma chance. Et je suis content aujourd'hui parce que voilà, il fallait rendre à la fédération, au peuple marocain ce qu'ils m'ont offert, cette confiance qu'ils m'ont donnée de pouvoir prendre cette équipe et de pouvoir grandir au Maroc en tant que coach. Salam alaikum, c'est Walid Bounafa, موقع 9 TV الإقليمي المغربي. شاهدنا في الندوة اللي قبل كان المدرب الإسباني أشاد بأناعي والدور الكبير اللي لعب أناعي لأنه قال لك ما وقفش من جري. وهذا يعني إشادة كبيرة من المدرب الإسباني، خاصة أن في اللقاء اللي قبل كنتي بدلتيه بالصابيري ولعبتي اليوم أناحي عطيتيه ثقة أكثر وعطيتيه هكا. السؤال الثاني هو ماذا فعلت حتى يحبك اللاعب؟ لأن صراحة ميزة عند زياش واللي يكون خدام وتيسمعك سي دادير أن جوور دو كاليبر، جوور اللي عنده مشاكل مع بزاف المدربين، أشنو درتي باش يبغيوك؟ Nawel Haja, Asdin, c'est un joueur extraordinaire, avec des qualités de très haut niveau, il a 22 ans, il a encore du déchet, il a encore une grosse marge de progression, mais je pense que c'est un joueur à terme qui ira dans un très grand club, il faudra qu'il fasse des bons choix. Aujourd'hui, il a élevé encore son niveau, on a beaucoup de joueurs qui élèvent leur niveau avec la compétition, parce qu'on a beaucoup de joueurs aussi qui ne jouaient pas beaucoup, hein. on traîne un peu ça, c'est dommage, cette compétition à l'arrivée, avec des joueurs qui avaient des manques de temps de jambes comme Hakim, comme Sofiane qui faisait un mois qui jouait pas à Angers, on a Naïf qui revient d'une longue blessure, Amalher qui était au placard au standard, donc ça nous aide pas pour pouvoir peut-être être un cran au-dessus, mais on s'est adapté. Asdin, pour moi, voilà, s'il continue, qu'il écoute et qu'il continue comme il le fait, ce sera une surprise du mondial et à l'avenir il aidera le Maroc. Après Hakim, je le répète, il n'y a pas que Hakim, j'aime bien parce que c'est mon petit et que je l'adore. Et pour moi, ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Mais à chaque fois, oui, il m'aurait donné raison ou tort, mais le peuple marocain l'a réclamé. Je pense qu'il a senti aussi qu'il avait quelque chose à leur donner. Mais c'est quelqu'un, je ne sais même pas pourquoi il a eu des problèmes avant. Moi, comment je le vois dans le groupe, c'est quelqu'un à qui il faut donner des responsabilités et à qui il faut donner de l'amour. C'est simple, quand vous avez votre meilleur joueur, c'est comme Neymar au Brésil, comme Mbappé en France, vous ne pouvez pas le considérer comme un autre, c'est comme ça qu'il est Hakim. Et comme Achraf, et comme Mazraoui, parce que c'est des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Alors après, il y a des coachs, sans parler du passé, hein, je parle au général, attention, je ne parle pas de national, mais il y a beaucoup de coachs dans leur coaching qui disent non, moi, tous les joueurs sont pareils, c'est pas vrai. Il faut arrêter de mentir, tous les joueurs ne sont pas pareils, mais si, c'est pas comme les autres au PSG. Je peux dire, dans tous les gros clubs, Ronaldo, c'est pas pareil au Portugal, et bien nous, au Maroc, Hakim, c'est pas pareil. Et je le traite comme tout le monde quand il faut. Mais je lui donne beaucoup d'amour parce qu'il le mérite. Et il me rend sur le terrain, comme Achraf, comme Mazraoui, comme Romain,
comme tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier les autres joueurs. Hakim, il a besoin aussi des autres joueurs. Tout le monde se bat, mais en fait, ils ont compris le message qu'aujourd'hui, quand on vient en équipe nationale, il y a une chose qui est importante, c'est de mouiller le maillot et de tout donner. Ça, c'est important. Ça fait aussi un petit point. Thank you. Aussi à l'entraînement. Juste une chose. C'est Wally. Je voudrais dire une chose par rapport à mon staff, parce qu'aujourd'hui, Smahli a... aujourd'hui, si on en est là, c'est pas que le coach, c'est pas que les joueurs. On a un staff médical qui est extraordinaire, qui est vraiment bizarre. On a les chargés de matériel, les chargés des équipements, ils font un travail extraordinaire. On a tout ce qui est logistique, qui font un travail extraordinaire. Une fille comme Nisa, qui nous organise tout. On a les gens à la Fédé qui nous aident, qui nous donnent tous les moyens. J'espère que j'ai oublié personne, mais aujourd'hui, si on en est là, les préparateurs physiques, la vidéo, Moussa, Harrison, Nabil, aujourd'hui, si on en est là, ce n'est pas qu'une personne ou un joueur, c'est vraiment tout le monde qui fait qu'on est en quart de finale. Donc voilà, je voudrais leur dire merci et félicitations. Est-ce que le jour, oui. Le jour, oui.